Lundi 17 décembre 2018, il est 9h. Je suis actuellement au bloc opératoire pour subir une intervention sur la colonne vertébrale pour l'installation de ma prothèse et la découpe du disque qui est parti dans le canal des nerfs. Voilà. Donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous faire un petit coucou quand même. Hein. J'espère remonter quand même du bloc pour continuer à vous faire des petites vidéos. Hein? Si on va pas faire que se taper du Squeezie, Norman, Cyprien et toutes ces merdes, quoi. Enfin bon, je me comprends, quoi. Bon, les potos, bah, j'espère que je vais pas trop être défoncé. Bah voilà, quoi. Hein? Allez, sur ce, je vous fais la bibise. Et je vous dis à très bientôt. J'essaierai de vous donner des nouvelles très rapidement sur les réseaux sociaux. Allez, la bibise. Ciao, bye bye. Aujourd'hui de rehausser cette machine. Je vous propose aujourd'hui de rehausser cette machine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une pièce à mettre entre l'amortisseur et le brossillon. Allez, on démonte et on va essayer de fabriquer cette petite pièce. Et comme ça, la machine sera un peu personnalisée et surtout beaucoup plus opérationnelle pour faire les fous. Et là, j'ai fabriqué une pièce dans du plastique hein, qui d'axe en axe fait 30 cm. En gros, je vais souder ça comme ça. Bon, bah il ne reste plus qu'à tout meuler. Tac, donc en attendant. Voilà. Voilà, voilà, l'axe en lui-même est en appui. Alors je ne sais pas si à la caméra on pourra arriver à le voir. Que l'axe est en appui sur le fer plat. Deuxième axe verrouillé, on va dire, il reste plus qu'à verrouiller cet axe-là. Attention, marche nickel. Hein. On voit que la machine a un petit loop avant, après. Qui a déjà fait du Raptor comme ça? Qui a déjà fait du Raptor comme ça? Je demande qu'à voir. C'est ça que c'est bon.